Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre série concernant les meilleurs sites, toujours dans l'objectif d'en réaliser une tier list une fois qu'elle sera terminée. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un seigneur site dont vous avez forcément déjà entendu parler. C'est l'un des plus célèbres des comics, il a révolutionné l'ordre des seigneurs noirs et tout comme Palpatine, il a déjà réussi à régner sur la galaxie. Je vous parle bien sûr de Darkrai. Comme nous allons le découvrir dans le prochain chapitre de notre vidéo, Darkrai a la particularité d'avoir été un Jedi dans un lointain passé. L'identité réelle de Krai n'a finalement été dévoilée que dans le numéro 15 de la série de Comics Legacy, où l'éditeur avait prévenu les fans qu'il se pourrait qu'ils le connaissent déjà. Quoi qu'il en soit, les fans pouvaient déjà tenter d'émettre des hypothèses et des théories en partant de ce qu'ils savaient déjà du personnage, à savoir son apparence, son style de combat et son nom. A partir de là, ces nombreux indices semblaient nous diriger tout droit vers l'identité du Sith qui ne serait en réalité nul autre que le Jedi de la guerre des clones, Asharad Heth. Darkrai est un personnage qui a su suffisamment marquer les fans, de par son histoire, de par le fait qu'il ait traversé les époques, mais également de par son apparence, cela va de soi. Et pour toutes ces raisons, il a lui aussi failli apparaître dans le jeu vidéo annulé concernant Dark Maul, où celui-ci a coquiné de Dark Talon s'en serait pris à Krai pour avoir bafoué la règle des deux. Mais on va y revenir. Mais maintenant que vous en savez un peu plus sur sa création, découvrons son histoire. Asharad Heth naît sur Tatooine d'un père Tusken et Jedi et d'une humaine. Il est ainsi élevé dès le plus jeune âge dans les deux traditions. Lorsqu'un conflit éclate entre les Hommes des Sables et les forces de Jabba le Hutt, ce qui entraîne la mort de son père, Asharad accepte de suivre le maître Jedi Ki-Adi Mundi afin de devenir son apprenti. Tout au long de son apprentissage, Asharad devra lutter intérieurement pour refouler ses démons, mais également pour ne pas se laisser submerger par sa part tuskène. Il changera ainsi de professeur, devenant l'élève de la Femme Sombre, celle-ci se révélant plus appropriée que Ki-Adi Mundi pour l'aider. Des années plus tard, alors que la guerre des clones éclate, Asharad est nommé chevalier et peut prendre une part intégrante au conflit. A noter aussi que pendant la guerre des clones, Asharad a côtoyé quelque temps Anakin Skywalker et vis-à-vis de ses relations avec les Tusken, vous pouvez vous en douter, ça s'est pas toujours très bien passé. Mais à terme, Asharad est parvenu à faire comprendre à Anakin qu'il ne devait pas se fier aux apparences. Enfin bon, quand on connaît le destin des deux zigotos, c'est quand même assez ironique. Lorsque l'Ordre 66 intervient à la fin de la guerre, Asharad parvient à y réchapper et rallie sa planète d'origine Tatooine. Sur place, il embrasse de nouveau ses racines et prépare sa vengeance contre les Sith. Cependant, il est interrompu par un Obi-Wan Kenobi, lui aussi en exil sur la planète, qui tente de le ramener sur la voie des Jedi. Malheureusement, sans succès. Au terme de sa défaite, le maître Jedi lui fait jurer de quitter la planète sous les plus brefs délais. Ce qu'il fait, mais il faut croire que cette leçon ne fut pas suffisante pour l'empêcher d'embrasser à nouveau les pouvoirs du côté obscur. Car bien des années plus tard, alors qu'il exerce la profession de chasseur de primes, l'une de ses traques le mène sur Korriban, où une voix mystérieuse le guide jusqu'à un holocron Sith. Celui-ci laisse alors apparaître Xoxane, l'une des premières seigneurs Sith de l'histoire. Celle-ci lui propose donc de lui enseigner les voies du côté obscur, ce qu'il accepte, persuadé de pouvoir maîtriser ce pouvoir, et dans l'objectif d'être enfin en mesure de se venger de Vador et de Sidious. Mais lorsqu'il ressurgit du tombeau, la galaxie est désormais en paix, débarrassée de l'influence des Sith, grâce à un dénommé Luke Skywalker. Désabusé et sans aucun but, Asharad file dans les régions inconnues où il a la malchance de tomber sur l'avant-garde des terribles Yuuzhan Vong. Il doit alors subir de nombreuses séances de torture qui l'impactent grandement. Mais il fait également la rencontre d'une ancienne Jedi, elle aussi capturée par les Vong. Une dénommée Vergère. Celle-ci a également été une apprentie secrète de Palpatine, et sentant son potentiel, elle lui enseigne de nombreuses leçons. Finalement, et après des mois de torture, Heth a une vision de son futur et de celui de la galaxie. Il obtient alors la force suffisante pour puiser dans sa rage et se défaire de ses ravisseurs. Libre mais condamné à avoir un corps blessé et meurtri, Asharad retourne sur Korriban et prend le nom de Darkrai en hommage au célèbre dragon qui peuple les cavernes de Tatooine. Le Seigneur Noir est prêt à accomplir son destin, il a eu la vision d'un nouvel ordre Sith, la règle des deux n'a plus de raison d'être. Place désormais à la règle du Sith unique. Un seul leader, avec derrière lui de nombreux acolytes, unis sous sa propre volonté. Il commence alors à recruter de nombreux acolytes pour le servir, cependant, Krai était malade suite aux tortures et aux expériences menées par les Vong sur son corps. Petit à petit, l'ensemble de son corps allait être recouvert par une armure de crabe Vendôme, qui certes lui offrait une protection,
mais qui le rongeait également de l'intérieur. Pour survivre au temps qui passe, Krayt se fait placer à de nombreuses reprises dans une chambre de stase, sous la surveillance de son plus fidèle serviteur, Dark Werlock. Un site chagrien dont le titre se transmet de génération en génération, où chaque membre jure de servir fidèlement leur maître site. A noter aussi que Krayt a fait une légère apparition en l'an 44 après la bataille de Yavin pour venir en aide à Luke Skywalker alors que la galaxie était en proie à une terrifiante entité du côté obscur, Abeloth. Nous faisons ensuite un immense saut dans le temps pour arriver autour de l'an 130 après Yavin, lorsque la galaxie est sous le règne de l'Empire de Fel. Alors attention, c'est un empire, mais il est tout à fait différent de celui de Palpatine. À ce moment-là, les Sith de Krayt se révèlent enfin au grand jour et s'associent avec les Impériaux pour se défaire de l'Alliance Galactique et des Jedi. Les Jedi subissant au passage une nouvelle purge qui réduit considérablement la taille de leur rang. Cela fait, Krayt trahit logiquement ses alliés et s'empare du trône de Coruscant. A partir de là, il va pouvoir régner sur un territoire absolument immense pendant près de 7 ans et il faudra que tous ses adversaires, à savoir les vestiges de l'Alliance, les Jedi et l'Empire, s'associent pour venir à bout de son empire. Et le concernant, il faudra que le dernier héritier de la lignée des Skywalker accepte enfin son destin pour qu'il mette fin à ses jours. Comme toujours, c'était un résumé très rapide de l'histoire de ce Seigneur Sith, mais si vous voulez en savoir plus, je vous recommande les comics Clone Wars et les comics Legacy. Ils sont assez difficiles à trouver en édition Delcourt, mais Panini est actuellement en train de les rééditer, donc c'est l'occasion. Bon, par contre, vous fiez pas à la couverture avec Kenobi dessus, hein, il est pas dans le bouquin, donc c'est un choix éditorial un peu bancal. Mais bref, passons maintenant à l'analyse des pouvoirs de Dark Krayt pour comprendre à quel point il était puissant. Pour commencer, nous pourrions dire que comme certains des Sith les plus puissants comme Sidious, Plagueis ou bien encore Kaedus, Krayt était un maître pour dissimuler sa présence dans la Force. Si bien que l'un de ses lieutenants, Dark Neil, qui était pourtant un brillant chasseur, était incapable de deviner sa présence, et par là même, le Seigneur Noir pouvait également dissimuler la présence d'autres personnes dans la Force, s'il le désirait. Ensuite, Krayt était également un expert dans l'art du drainage de Force. Étant même capable de drainer l'énergie de Luke Skywalker pour augmenter son propre pouvoir lors de leur combat contre Abeloth. Enfin, comment ne pas citer également ses nombreux talents au sabre laser? Krayt pouvait se battre avec une ou deux lames, ce qui lui permettait de varier les styles et de toujours surprendre ses adversaires. Déjà à l'époque, il pouvait rivaliser avec Obi-Wan au combat et nul doute qu'il n'a pu que s'améliorer avec les années, si bien que personne ne pouvait vraiment rivaliser avec lui sur ce domaine. Mais nous sommes également obligés de revenir sur cette nouvelle doctrine Sith mise en place par Dark Krayt. En effet, il a décidé de mettre de côté la règle des deux de Dark Bane, créant la règle du Sith unique. Et ça pose plusieurs problèmes. Déjà parce que même si en termes de nombre cela donne un avantage aux Sith, à terme, lorsqu'ils sont en position de dominer la galaxie, je pense que cela ne peut que leur jouer des tours. Incontestablement, et c'est la nature même du côté obscur, les forts doivent écraser les faibles. Or, seul Krayt détient la position du puissant dans son ordre. Cela ne peut donc que créer un sentiment de convoitise vis-à-vis de ses sujets, et cela lui complique donc la tâche s'il espère que ses subordonnés lui restent fidèles. C'est là le gros point noir de cette histoire. Il doit remettre sa vie à de nombreuses reprises entre les mains de ses sujets, et notamment des Dark Werlock, qui sont censés veiller sur lui lorsqu'il est mis en stase. Et justement, c'est bien ce qui a failli lui coûter la vie quand Werlock, troisième du nom, a décidé de le trahir. Mais justement, il est ensuite parvenu à revenir plus fort qu'il ne l'avait jamais été auparavant, prouvant une fois de plus qu'aucun autre Sith de cette époque n'était en mesure de contester son autorité. Et c'est quelque chose de particulièrement marquant concernant Krayt, c'est qu'il était capable d'encaisser les coups comme peu d'autres personnes en auraient été capables. Et je pense qu'il doit cela au mois qu'il a dû passer à subir la torture des Vong, et de la même manière, le fait d'avoir dû subir pendant des dizaines d'années la maladie qui le consumait de l'intérieur, cela ne pouvait qu'intensifier sa haine et sa rage pour lui permettre de surpasser cette douleur et toutes les autres qu'il aurait pu subir. On pourrait aussi dire que malgré sa maladie, Krayt est parvenu à tenir tête aux esprits de trois anciens seigneurs noirs, figurant parmi les plus puissants de l'histoire, et que par ailleurs, Darkbane est assez culotté de lui dire qu'il est un traître, sachant que lui-même en son temps aurait pu être désigné comme tel, après avoir réduit à néant la confrérie des ténèbres, persuadé qu'il était que sa nouvelle doctrine, la règle des deux, serait la bonne voie à suivre pour les Sith. Mais bref, voilà plus ou moins tout ce que je pourrais dire concernant Dark Krayt, un personnage qui devrait quand même occuper une place de choix dans notre tier list. Sur ce, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en vous abonnant ou bien en cliquant sur le bouton rejoindre. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la Force soit avec vous. Ciao !